Coucou tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. On est le jeudi 14 avril. C'est une vidéo en fait que j'ai jamais fait du coup sur ma chaîne parce qu'en fait je suis une abonnée sur Instagram et en fait ces produits en fait m'intéressent depuis un petit moment. Et là du coup j'ai voulu tester. Donc en gros son truc c'est secret de miel. Donc, alors en fait, c'est des produits 100% naturels. Si je vous dis pas de bêtises, parce que je connais pas trop. Ouais, hop, ce que fabriqué avec des abeilles. Ouais, hop, ce que formation. Des produits 100% naturels et fabriqués 100% en France. Du coup, voilà. Hop, et c'est hop qu'avec. Le miel d'abeille et tout. Et là, c'est toute la gamme. Donc, vous avez de l'énergie et vitale, des défenses, pollen et dissection, tout ce qui est pour les enfants, parce que pour rester zen, articulation et circulation, des trucs de détox, des trucs pour le miel, des soins essentiels, nettoyants et démaquillants, des soins jour et nuit. Soins anti-âge, des soins pour le soleil, pour les douches et les bains, hydratation et corps, masque et paume, soins des cheveux, tout ce qui est pour les hommes, hygiène et minceur. Donc voilà, en fait, vous avez pas mal de produits. Et alors, en fait, hop, ce que j'ai reçu dans un petit carton comme ça. Et dedans, il y avait plein de petits. Plein de petits machins comme ça là, des petits cartons là. Et j'ai galéré à pas trouver les produits. Donc du coup je vais vous montrer d'abord le produit là. Donc c'est une crème pour les piqûres, les boutons d'acné, il y a l'eczéma, pour les fesses aussi des bébés. Et moi justement en fait je recherche je recherchais ça parce que moi je sais pas si vous avez dit mais mon petit dernier Nolan est très 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 fragile au niveau produit produit pour laver. Hop, il supportait que Biolan et là j'ai commencé les produits avant il les supporte mais pas tous, donc du coup voilà. Et sinon, en fait, ouais, pour la pommade, pour les fesses, hop, il supporte que Mustela. Ouais, je crois que c'est celle-là que je prends. Mustela, donc du coup, voilà. Et ça, ouais, c'est pour les coups de soleil, les brûlures. Du coup, en fait, hop, il fait pas mal de choses. Je vous mettrai la photo au pire en fin de la vidéo pour que vous voyez tout ce qu'il fait. Et j'ai pris aussi un petit savon des écoliers à l'huile de naine et à la propolis. Alors en fait, un savon à saponifier à froid. Donc alors est-ce que c'est l'allié contre les poux? Très doux, ce shampoing solide sponsifié à froid est idéal pour prendre soin des cheveux. Enfin, des petits écoliers riches en huile de neem, je sais pas, et en propolis, reconnu comme un allié contre les bactéries et les parasites. Il est efficace et prévention et dès l'apparition des poux sans huile essentielle. Donc moi je vais les tester, je vais vous montrer déjà. C'est comme ça. Ah, ça pue. Donc voilà. Ah, j'espère que c'est efficace. Moi en fait, mes enfants, ce qu'ils en ont pas, parce que toi je les traite toutes les semaines. Mais le souci, toi, c'est que là, les produits, à force des pharmacies, c'est plus trop efficace. Après, toi, j'ai les produits. Que vous avez montré les gels douche, les shampoings à la lavande, ça aussi, ça marche bien, c'est efficace. Je voulais tester ça. Après, j'ai quand même des huiles
essentiel ouais, pour éviter qu'ils en chopent, mais ça fonctionne plus sur mes petits parce que à chaque fois, j'en mets tous les jours. Parce que quand hop, ils vont à l'école, donc à force, je pense qu'ils ont pris l'habitude. Et mais après, je vais tester ça et je vous redirai du coup si ça marche bien et tout. Et surtout, ça arrive bien les poux au cas où s'ils en ont, mais surtout les lampes parce que les lampes, ça a du mal à partir. Parce que je sais que sur mes deux grands garçons, ça va, mais sur ma fille, c'est horrible. Surtout qu'elle, elle a beaucoup de cheveux, donc du coup. Ils se mettent carrément derrière là. Et ça tient bien. Parce que même avec le peigne et tout, des fois, j'arrive pas à les enlever. Des fois, ça marche, mais des fois, ça marche pas. Donc, du coup. Et vu qu'elle, c'est douillette, comme pas possible. Donc, du coup, voilà. Parce que même. Alors, avec le démêlant, elle a mal. Pourtant, t'as le démêlant, et la brosse. Donc, normalement, ça se brosse tout seul. Mais elle a quand même mal. Voilà, c'est douillette comme pas possible. Donc du coup, je vous mettrai la photo des deux produits là. Et celui-là, je vous mettrai tout ce qu'il fait. Et du coup, voilà. Donc du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo. Parce qu'on a reçu l'autre vidéo. Bye!